Hey les gens, c'est Noctis et on se retrouve pour ce nouvel épisode de Tales of Zestiria. La dernière fois, nous avions été pris dans plusieurs illusions de Simon qui nous a forcé à affronter les quatre dramatisations possibles à travers ces illusions dans un désert immense dans lequel on s'est perdu et du coup là, on arrive gentiment à la fin du donjon. J'espère vraiment que c'est la fin et qu'on va passer à autre chose, genre le village.止まりですわ。え?一本道だったのに?シギちゃんの幻ね。これ以上時間を無駄にしないために。やはり幻を打破する必要があるか。どうやって?幻とはいえ相手すんのは楽じゃないぜ。もうすぐ現実は解けると思う。なんで?サイモンは天族だから。こんな汚れた領域の中じゃ力を振るうのも難しいんじゃないか? 図星だったようだな。いくら幻で攻め立てても、お前の心にはもうさざ波も立たぬのか。ならば、別の手を使うまでのことよ。何?やけくそ?おとなしく屈せ! Allez, combat de boss pour commencer l'épisode, c'est pas beau. 76, 28 000 points de vie, pas de faiblesse, pas de résistance. On va y aller à l'arrache. Je vais tester un truc. Sauf que j'ai les ultis en automatique, je crois. Donc, on va voir. En essayant de booster le. Ah, il faut que j'attende que mon Cléo ait aussi une. Allez, un, c'est aussi. Ah, on peut pas. Je sais pas quelle attaque, mais tant que c'est pas moi, moi ça me va. Hein. Aïe 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 aïe. Oups. CS. Je suis coincé, CS. Aïe aïe. Ah, ça va, c'est bien passé en fait. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus d'items de soins, on a tout utilisé la dernière fois contre nos clones. J'aimerais essayer d'économiser en fait mes ultis et voir si je peux réutiliser un ulti méga de la mort foutue avec Mikleo. Genre, bah non. Non, parce qu'il utilise l'ulti dès qu'il peut. Sachant que là, je n'ai pas fait la combinaison pour déclencher l'ulti. Hein. On lui a fait perdre. Oh, on lui a fait perdre un peu de. Presque la moitié. Enfin. Non, la moitié, on l'aura fait à 14 000 en fait. Donc, pas tout à fait. Donc 4 000, on lui aura fait perdre la moitié. Et pour ça, faudrait la toucher. Aïe 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 aïe. Voilà. Du 400 dans ta gueule, du 500. On attend que la CSR remonte parce que sinon, voilà. C'est une qui vise personne, c'est sympathique. Allez, Simon! C'est pas gentil de décéder. Là, on. Elle a combien? 15 000. Allez, bientôt midlife, bon. On va faire attention, peut-être que c'est un par terre, ne change pas. On n'arrive plus à parler, c'est plutôt valeur. Toujours pas assez de CS pour faire ce que je veux. Elle fait pas beaucoup de dégâts, je trouve. Voilà, c'est parce que vous chaîne. Ah, elle a quand même buté.
Métempsychose, elle le fait pour qui? Ah bah, fais pas trop de dégâts, bam. Un petit peu quand même, hein. Ah, comment ça, il y en a plusieurs? Ah, mais c'est suite à son intuitime. Ah, ouch. Le grand cher là. Ah oui, 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 oui. Ah, j'ai que de la gelée de pommes. J'ai plus rien d'autre. Les autres ont combien de points de vie? Ils tapent dans le 6000. On va s'occuper des deux autres. Ah oui. Ouch, ouch, ouch. En fait, elle me fait spam de tous les côtés. Oh, genre, sérieusement. Sous quoi est-ce que j'ai lenteur, je peux pas. N'importe quoi. Genre, oui, non, il est trop lent, on peut pas lui accorder de quoi que ce soit. Bah, bien sûr, tiens. La bonne excuse! Putain. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça que je t'ai demandé de faire, putain. Le mec, je me demande de soigner, il fait n'importe quoi là. Nop, 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 nop. Priorité à la défense, merci. Alors toi qui fais rien, qui ne touche personne, soigne-moi. Alors attends. Ah, salut toi. Non, je veux la vraie, putain. Oh putain. Elle va avoir pris les deux à tous les coups. Non, elle a plus personne en fait. Bon, je suis la bonne là. Ah oui. Allez, si on tue la vraie, on tue les deux capots. Donc on va prendre le risque de focus l'original. Hop. Non, je vais être tellement dans le mal quand je combat contre les Alphes, ça va être fou. Ça va être d'un compliqué pour choper pour battre les Alphes. Non, seulement de moi. Je ne t'aime point, madame. Parce qu'on est en 6000, si je pouvais avoir une petite attaque ultime, une attaque ultime, un arc mystique, quoi. Ça serait bien, bien cool. Aïe, 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 aïe. Non, reste loin, pas taper. Non, non, non. Je sais pas ce que tu veux lancer. Résistance, serviteur des ombres. Non, 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 non. Non, ouais, elle spam les arts, c'est ouf. Bah bien sûr, tu décèdes, comme ça tu perds tous tes jauges de flux, bah oui. Sinon c'est pas drôle. Allez, crève, tu saoules. Tu saoules. Genre, elle a une protection de ouf. Non, laisse-moi te taper là.
Allez, hop, hop, hop. On décède. Ça devient saoulant là. Là, ce coup, 3000, mais merde. Oh. Allez, on va pas tarder. Je vous jure qu'un jour elle va crever. Un jour. Il reste quoi, 1700. Allez, là. Mais elle spam les arcs en fait quand elle appuie vite, c'est assez impressionnant. Ah, j'en ai marre. Hein. Allez, charge frontale, boum, la spam en attaque. Il ne reste quasiment rien là, c'est bon. Merci. Oh, j'en avais marre. この舞台は終わらない。サイモン、もうダメよ。死を受け入れるか。待て、どうし。それがあんたの本当の顔ってわけね。 行こう。ジージが心配だ。うん。もはや手遅れ。すべて我が主の焼酎よ。私らが、はい、そうですかって諦めると思う？なぜ抗うのだ。抗えば、それだけ苦しむ。なぜ苦しみから解放され、ありのまま生きるという我が主の目指す世界を否定する。 忘れたわけではあるまい。その豪遊に命を落とした風の天族の存在を彼の選んだ復讐という答えは我が主の目指すあり方に他ならぬではないか。お前たちは彼も否定しているのだぞ。テーゼルは確かに苦しんでた。でもあいつは自分の決めたことを頑張ってた。そうだ、苦しみから逃れるためにな。 けどあいつは業を抱えたものが、それに抗うことは、すなわち自分自身を否定することに他ならない。抗い、否定した先に何があった。空虚な死ではないか。サイモンさん、抗うのをやめた先、そこに生の実感はあるのでしょうか。 抗えば、確かに苦しみを伴うことが多いですわ。それでも顔を上げ、答えを信じて足を踏み出したとき、そこに生の実感があると思いませんか。デゼルさんは、確かに最初は苦しみから逃れようとしたのかもしれません。ですが、すべてを思い出したとき、彼は、あなたの言う自らの業を呪い、諦めましたか。 だからデゼルが最後に笑ってた。うん、笑えたんだね、ライラ。それが何だというのだ。正しい解に至らねば、空虚な自己満足ではないか。いいじゃねえの、自己満足で。結果は重要だが、かといってそれは経過が不要にはつながらないか。機敏に過ぎる。 いい加減気づいてくれる。急いでるのに、なぜライラがわざわざこんな話してるのか。サイモン、前に俺に聞いたよな。存在するだけで不幸をもたらす業を持ったものは、存在自体が悪なのか、死ぬべきなのかって。どう答えるかなど、聞くまでもない。でも言っとく、自分を悪だって決めつけなくてもいい。 悪でもいいじゃないか。なんだと。いや、なんか違うな。うまく言おうとするな。
どんな奴だっていてもいい。みんな幸せになる方法、きっと見つけるよ。だから貴様は自分の残酷さが分かってるな。貴様は今まさに私の幸せを奪っているのだ。もはや我が主のために働けぬ私に存在理由などない。 Elle est tellement pitoyable. Mais je dis pas ça dans le... Je dis pas ça méchamment, mais elle me fait pitié, quoi. Enfin, j'ai envie de lui faire un câlin, quoi. C'est horrible. J'espère vraiment que Saiba arrivera à trouver sa réponse, quoi. Enfin, le truc, c'est, enfin, une histoire elle est triste, quoi. Enfin. Ouais, non, je suis mal pour Simon. J'avoue, je suis mal pour Simon. Voilà. Moi, Simon, je l'aime bien. Elle a juste emprunté un mauvais chemin. Elle a pas un mauvais fond. En soi, elle a juste suivi le signe de la calamité en se disant « J'en ai marre de souffrir, laissez-moi tranquille, j'accepte mes péchés. » Et du coup, en acceptant ses péchés, elle est devenue mauvaise. Mais en soi, il y a... Je suis sûr qu'il y a une autre, enfin, il y avait une autre solution et elle aurait pu accepter ses péchés sans pour autant suivre le Seigneur des Calamités. C'est juste qu'elle a fait un mauvais choix et ça faisait un peu choix d'enfant. Et la réaction et le fait qu'elle finisse en larmes quand on lui montre le fait accompli, regarde des ailes, lui aussi a accepté ses péchés. Enfin, il a renié ses péchés et il a trouvé une bonne solution quand même. Enfin, on lui montre plein de bonnes solutions et du coup elle se rend compte qu'elle a fait les mauvais choix. Enfin, j'espère que c'est qu'elle s'en rendra compte et qu'elle deviendra un bon séraphin. À la fin. Oh, c'est rime, c'est magnifique. Je suis un poète. Pas du tout. Ici, Kamran. C'est la première fois que je connais ce lieu. C'est une sensation bizarre. Le temps s'arrête. C'est vrai. Si on pense à ce genre de pouvoir de Mao Bo, c'est là qu'il est mort. Laila, est-ce que ça va? ありがとう、スレイさん。もちろん大丈夫ですわ。神殿まではまだ結構ある。楽に行こうぜ。え。Je me demande si je peux me téléporter. Non. Ok, c'est bon. Je peux sauvegarder. Est-ce que je peux me rendre à un autre point de sauvegarde? Oui, parfait. Parfait. Alors première chose, on va sauvegarder. Alors, on est où? On est à Canal... Ok, très bien. On va aller dans n'importe quel village. Vas-y, on va aller là. Et on va aller acheter moult d'objets. Car vous sentez le boss final dans l'épisode? Je pense que là, l'épisode, j'en ai rien à faire s'il dure une heure et demie. On le finit. Salut toi. Acheter. On veut des objets de soins. Alors. Fiole de pêcher, fiole de réalisation, fiole sacrée, ça on s'en fout. Et il n'y a rien pour. Voilà, votre niveau magasin est désormais client. Très bien. Donc voilà, ça c'est fait, on peut repartir. Ah oui, non, c'était très rapide. Oui, j'ai un point, pof. Quand même le village de machin. Allez, on y retourne. Ah oui, non, j'avais juste besoin de refaire mes stocks. Hein. Clairement, pas besoin de plus, pas besoin de moins. On fait juste des stocks. Non, laisse-moi tranquille. Disparais, s'il te plaît. Meurs, tout ça. Je veux pas t'affronter.
Ah, situation dangereuse. Une situation dangereuse, je mets 20 ans avant de m'enfuir. Sinon. Surtout que j'étais à 2 mètres du... Putain, le flux de Nicléo, il est monté au max. Trop cool. Ah d'accord, ça sert à rien ici. Très bien, j'adore. J'aime le concept. Ah mais il y a un magasin juste ici, j'avais pas vu. Il y a des magasins en chemin apparemment. Ah ça va être une tortueuse, non? Ou un marchand, ou un vrai marchand itinérant qui sert à rien. Je sais pas, mais il y a 36 000 mobs et ça, ça me plaît pas. Je crois que c'est une tortue, mais je suis pas sûr. On met 100 ans avant de s'en aller. Niveau 62 les mobs. Niveau 62, 8000 points de vie. Oh, en fait, non, ça va. Ouais ouais c'est long, c'est long, c'est long, j'avoue, se barrer de là, c'est un peu casse-bonbon. Et j'ai pas envie de me battre. Nicléo, tu sais. Ouais, il y a un peu d'étouffement, mais c'est pas la folie, c'est pas très folichon, donc je préfère avancer, quoi. Clairement, je préfère avancer, voilà. Oh, situation dangereuse, non. Allez, on met 100 ans pour s'enfuir, youhou. C'est la folie. C'est une Nicléo qui est toujours décédé avec ses... Mais pourquoi il est toujours décédé, d'ailleurs? Il devrait être un PV, normalement. On va être à fond pour affronter Elda. Par contre, j'ai mon flux qui est à fond et ça, c'est cool. Ouais, on y est presque. Alors. Ah, ils ont des PV là, c'est quoi ce bordel? Bon, alors, qu'est-ce qu'on casse les couilles? Hop. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Ok. On va pouvoir monter et... Oh là 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 là, ça ressemble tellement à un lieu de combat final, hein. Il n'y a pas 36 000 mots en fait. Trône d'Artorius. Parvenez jusqu'au trône d'Arthur. Voilà. On a juste à avancer. La dernière ligne droite. Le dernier combat. La fin. Un an de let's play. Ça n'aura pas été de tout repos. Ça n'aura pas été évident à chaque fois. Mais on y est. On a quasiment fini le jeu, les amis. Ça va être impressionnant. Enfin, impressionnant, je ne sais pas, mais laborieux, ça c'est évident. J'espère vraiment pas passer des heures et des heures sur ce boss. C'est la seule frayeur que j'ai pas envie que l'épisode dure des plombes, mais bon. On est parti, je ne vous fais pas plus attendre. On y est, je sais pas s'il y a un véritable... Je sais pas comment ça va se dérouler, je sais pas si je peux faire genre un tout droit YOLO. Ah, il y a quand même un petit donjon à se faire. Hein.
chope le prof de droite. Wouah! J'avais pas vu qu'il y avait des gens ici. Bonjour. Je veux pas me battre. Wouh. C'est quoi ce truc de ténèbres? Merci. Oh, d'accord. Oh, le donjon où je vais me perdre. Oh là là. Oh, on est mal barré. Tu veux pas tout ouvrir? Ah, d'accord. Ça me fait fraise, on s'en fiche. Et genre, le truc, je veux pas s'ouvrir. Ah, il y a symbole du feu, je me dis. Je me dis qu'il veut du feu quoi. Attendez. On peut accéder à un étage plus bas, c'est pas mal. On tient un truc? Est-ce qu'on tient quelque chose? Est-ce qu'on tient un truc? On va aller pas savoir. Ouais, je m'attendais pas à arriver là en fait, mais c'est pas grave. J'essaie de voir où est-ce que je peux être rentable là-bas peut-être. Je m'en fous de l'arachnée là. On s'en fout de la foi au vent. Ouais non mais non mais en fait je vais m'en aller. Aïe. Hop. Bonjour, feu purificateur. Merci, au revoir. La bise. Je sais pas du tout si je prends le bon chemin. Là, je vais yolo. Oh, salut quoi. Ouais, ça voulait faire des blagues pourries, on les a stoppés. Alors, bonjour. J'ai l'impression d'avoir fait un tour complet pour rien. Et oui, c'est trop bien. Seul d'Arkane, super. Ça pourrait me servir par contre. Donc, on a fait un tour pour rien. C'est très bien. C'est très très la joie. C'est très très le bonheur. On va passer par la droite du coup. Là. Je me casse. Je me casse plus. Je ne veux pas me battre. Alors. Ah! Ah, c'est sympa mais moyen ça. Ça veut dire qu'il faut repasser par la gauche. Prendre un chemin que j'avais pas pris. Salut toi. Je m'en vais. Vous m'avez pas vu. Je ne fais que passer. Chaud les nazes. Allez, hop. On ne me voit pas. Je suis un putain ninja. Eh, c'est presque passé. C'était un peu tendu sur la fin, mais quand même. C'est passé. Ouais, sauf que je sais pas par où. Moi, je... Ah, attendez. Ah non, on n'est pas passé. On est passé par l'autre porte. Cette porte, elle mène à quoi? À rien, c'est un piège. Ah. Comment je fais mon compte, moi? Oh là là. Ça me pète évidemment. Parce qu'en fait l'idée c'est que je dois passer de l'autre côté. Je ne sais pas comment faire.
Moi, je peux juste aller taper le monsieur en fait. C'est tout ce que je veux, non. Je veux juste aller taper le boss final, s'il vous plaît. Et voilà. Je pense pas que je puisse aller un loin. Genre là. Là non. Bah oui. Genre pour avoir le pack. Très bien, mais genre le boss il va être là-bas. T'as du machin. Parce que Thème était beaucoup trop gros pour moi. C'est quoi ça? Un spectre. Je veux pas dire, mais vers la fin ils se sont éclatés, je pense, avec les modèles. Parce que, genre, il y a que des mobs qui ressemblent à des femmes, quoi. Après, je dis ça, je dis rien. C'est juste une remarque. Je sais pas où je dois aller, je sais pas c'est quoi le meilleur chemin. Je sais même pas ce que je dois faire. On va aller vers un truc. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça, c'est... YOLO TIME. Il y a une partie, genre... Ah là là. Bon, salle de ténèbres, voilà. Ah, on remonte vers quelque part. J'aime pas quand on remonte vers quelque part en fait. Je suis en train de me dire. Ok, ça on connaît. Alors, petit 1. Quoi? Mais il y a un 1, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Qui monte. Très bien. Ça m'emmène où ça? Ça m'emmène là. Oh. Il bouge pas, j'ai peur que ça soit un boss optionnel des ténèbres quasi imbattable. Je veux pas dire, mais il y ressemble à un boss optionnel quasi imbattable. Donc honnêtement, je vais m'en passer. Clairement, je vais m'en passer parce que je ne pense pas qu'il soit très utile. Alors, par contre, où est-ce qu'il va falloir que j'aille? Si je sors d'ici par là, il se passe quoi? Ah ah! C'est sûr que ça m'aide vraiment ça. Même qu'en vrai ça m'aide pas vraiment, vraiment. Là-bas on a une porte. Oh putain! Oui, j'ai flippé. Laissez-moi tranquille. J'ai pas vu que le mob était apparu en fait. C'était en mode, c'est bon, je suis tranquille, y'a personne. Kyoshi, t'as un immense mob qui te fonce sur la gueule là. Ah, tu arrives là, d'accord, très bien. Sinon, moi je dois aller où? Bonjour, je suis perdu. Nope. Il y a un truc qui est bizarre. Salut toi. Ok, à trouver un nouvel moment. L'emblème de l'innomade. Ok, d'accord. Très bien. Non. Là, tu peux rien faire, tu touches à rien, tu peux pas chier. Ok. Alors, par contre, ça m'emmerde parce que j'arrive pas à faire le tour en fait. Alors, attendez.
Enfin là on est entré hein, de toute façon. Pas vraiment le choix j'ai envie de dire. Oh la taille du machin. Ah! Il m'a repéré! Non! Je veux pas mourir, je veux pas décéder. S'il vous plaît, laissez-moi. Donc hop. Voilà. Sauf que une fois ici, je suis niqué, non? Non, parce que je peux pas aller là-bas. je ne peux point aller là-bas. Ouais non, ça c'est ça, on revient à la salle du boss que j'aime pas. Donc on va revenir sur nos pas, on est arrivé par ici je crois. On était arrivé. Oui, 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 on est arrivé quelque part par là. Bon, on repart dans l'autre sens. Voilà, on est arrivé comme ça. Donc là, on va passer par là où on peut. Je crois que c'est par là. Mais là-bas, il y a une porte et je sais plus si on l'a fait cette porte en fait. Et je vais, comme je sais plus, bah, je vais vérifier. Pas du tout, je vais atterrir. Mais c'est pas grave. On va atterrir un autre boss optionnel, vous allez voir. Là, il faut utiliser des éléments, moi je trouve ça chelou, hein. Vous allez voir que je vais pas arriver là du tout où je veux, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que ça nous réserve? Et un boss optionnel, encore un. Allez. Moi je me casse, hein. Perso, moi je fais pas les boss optionnels. Enfin, pas le moment de crever comme une merde, ni d'utiliser nos consommables. C'est beaucoup trop dangereux. Alors, du coup on repart dans l'autre sens. C'est chouette, j'ai pas du tout l'impression de tourner en rond, non, c'est faux. Faux. Et de l'autre côté, on est d'accord, il n'y avait pas d'autre issue, je revérifiais juste ceci au cas où. Que je ne rate pas la sortie comme un goyot. Pour rien. Donc, ça veut dire qu'il faut aller ici d'abord, ensuite là-bas. Ces salles-là, on les a faites, c'est pas par là, ça j'ai sûr. Sauf qu'il faut quand même les prendre parce que ici on est coincé. Donc, on sait que c'est là-bas qu'il faut aller. Salut. Oh, salut toi. On se trouve dans des salles, je sais jamais comment je les atteins. C'est insupportable. Ah oui, non! Je suis sorti! J'en ai trop marre. Alors.
Quoi? Mais qui? Comment? Pourquoi? Deux unités à 2 km derrière en vrai, le genre il m'a touché. Moi je suis pas d'accord hein. Je suis pas d'accord. Ok. Oui mais... Il faut cette entrée là. Non, laisse-moi tranquille aussi. Ok, on vient là. Hop, on monte. Tagada, tranquillou. Alors, ici, on peut pas y aller. Descendre, ça sert à rien. Donc, on va aller tout droit. Ah non, mais tout droit ça sert à rien, c'est la salle du bidule. C'est pas un point d'intérêt tout pourri. Mais vas-y, genre là tu peux pas sauter, là, là, putain. Le jeu vidéo et la physique de merde, quoi. On va dire que c'est par là. C'est absolument rien, c'est pas grave. Ah, attendez. Ah non, mais là aussi ça va être une salle de merde. Bah oui, salle au trésor tout. Oui, allez, je me casse moi. Non. Tranquille. Et ça charge, et ça charge, et ça charge. Pas pour ne pas se battre. On en a marre. Merci. Allez, salut. Tous les jours. Si ici je peux aller là-bas, de ici je vais là. De là. Là on a un boss optionnel. Oui c'était le truc avec les torches. Donc là, boss optionnel. Boss optionnel, on s'en fout. Donc on va. Là, on va arriver de l'autre côté de la sortie. Hop. Du coup, on arrive là où je veux. Ou pas du tout. Ouais, on arrive là où je veux. On arrive ici. Ici, je peux faire tout droit. Et je voulais arriver où là, je ne sais pas. Mais normalement, si je continue tout droit, genre je vais récupérer à un moment donné ce que je veux, donc genre quand. C'est à quel moment je vais faire ce que je veux. C'est en allant tout droit, donc pas là-bas. Genre où? Ah si, là-bas en fait. Si, si, en fait, si, c'est carrément là-bas. Ici normalement on a un autre boss optionnel en théorie. Mais normalement j'ai une sortie qui me permet de monter, si j'ai bien compris. Donc genre hop, hop, là on va monter un escalier. Ok. Parce que là c'est bon. Genre là, on arrive au truc de l'air et là je sors par là-bas. Je sors par ici. Et là, on va pouvoir accéder à ce que je voulais en théorie. C'est-à-dire passer ici. Hop. Hop. Salut le spectre, salut bidule. On rentre par là. Et là, on est dans un nouvel endroit. C'est déjà pas mal. C'est déjà même beaucoup. On arrive dans un nouvel endroit. On va tourner ici. Salut vous.
Hop. 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 Voilà. Très bien. Ah! J'ai entendu le bruit trop tard. J'ai entendu le bruit trop tard. Du coup, on est arrivé là. Et après, et après on est paumé parce qu'il faut descendre en fait. Je sais pas comment descendre. C'est con hein. Je renvoie le bon chemin tout aussi. Salut. Oui. Tac. Hop. Hop. Le coffre s'en bat les couilles. On sort. Une fois dehors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où qu'on va? Ben, on n'a pas 36 000 choix en fait. On fait ce qu'on peut et on va là où on peut. Alors, machin volant tout, casse pas les couilles. Et. On arrive à un endroit un peu chelou. Ça se casse complètement, d'accord. Et là, nouveau boss optionnel. Trop bien. Je surkiffe ma race. Voilà, boss optionnel. Bonjour. Je t'aime pas. C'est pas toi que je suis venu chercher. Donc ça veut dire qu'il y a une autre sortie normalement dans cet endroit. Du moins j'espère. Pas là, la sortie en tout cas. On doit pouvoir, à un moment, voilà, on doit pouvoir descendre. Voilà. Ceci, je sais plus si j'étais monté ou descendu, hein, je vais l'avouer. Je ne me rappelle pas grand chose là, je suis un peu perplexe. Est-ce que cet endroit, s'il me dit quelque chose, ou beaucoup moins. Attends. Je sais pas d'où je viens. Ah, monsieur Gouré. Drague au feu. Cuirassé et les dragons. Onde du point de vie, faiblesse de l'eau. On s'enfuit. Ah, et on arrive au truc que je voulais arriver. Regardez. C'est un le mammouth TG. Donc ça, c'est pour faire le petit raccourci qui est sympathique. Et là, on a une porte. Porte qui normalement nous amène à la droite. Et donc là, on est là. Sors de là avant de mourir. Ou alors pas du tout. Oh, situation dangereuse de mes couilles. Non, je peux me niper là haut s'il vous plaît. Non, tu me toucheras pas. Ça commence à devenir long. La jauge de fuite, elle prend son temps. Elle a genre. Ça va, elle est tranquille. Ça va, frère, pose toi, tranquille. Merci. D'accord, donc ça c'est le niveau. Ok, oui, on est là où on veut. On voulait être, c'est pas trop mal. Je crois qu'on en est là où on veut. Genre là-bas, ça vit, très bien. Hop.
on va vite sortir. Maintenant, on va aller où? Moi j'en sais rien. J'en sais rien parce que d'ici je n'aurai pas les entrées et sorties qui te permettent d'accéder à ce que tu veux. Déjà tu peux faire un petit raccourci genre en mode pouf, pouf, on va aller là-bas. Il y a juste un coffre. Le reste c'est pas accessible. On va vite tester. On va tester vite fait. Non, non, ça va être trop loin, je vais pouvoir y accéder. Non. C'est trop loin, ça sert à rien d'y aller. Ok, très bien. Hop. Hop. Et hop. Ah non. Ah non, 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 non. Tu peux pas. T'as pas le droit de faire ça. Très bien. Et bah si j'ai pas le droit de faire ça. Ah celle-là, elle est déjà un peu plus pressée, vous voyez. Tu peux déjà me dire. On va plutôt s'en aller, c'est bon, tranquille. En même temps, face à des éléphants, facile de s'en aller, j'ai envie de dire, mais quand même. Donc, du coup, ça, du coup, machin, du coup, tranquille, le père, salut toi. Non, mais genre, non, respect, ne casse pas les couilles, ce serait gentil. Hop, on rentre là-dedans. On va encore avoir une espèce d'épreuve à la con. Hop, tu montes l'escalier, machin et tout. Tu montes, hop. Là, tu vas avoir. Non, tu n'as pas d'épreuve. T'as pas les couilles, là, t'as un peu d'eau. Ah, si, tu dois avoir une épreuve là-haut, mais on s'en fout. Donc là, on est monté, hein. On sort par là. Et là. Tac, 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 tac. Et là, on arrive à... Oh oui, on a réussi. Joie, bonheur, allégresse. Joie et plus moi, ça sert à rien là, d'essayer d'éviter d'y aller, mais plus rapide que moi. Pas beaucoup d'intérêt entre le niveau de mana d'un dieu et le fait qu'il peut voler. Hops. Allez. Vers l'étoile, on a bientôt fini. Ça sera un épisode d'une heure s'il le faut. Mais je ferai pas un épisode spécial pour le. Pour le boss final. Je fais le boss final ici et maintenant. Zabida. Ketchaku tsukenakia ikenai aite da tte itte ta yo. Ah, nanda kanda de yarazu ni shimi sou da. Srei-san to no deai de. 新たな可能性が生まれたのですわね。そうそう、まさに運命の出会いってね。やろうなのが唯一の問題だ。バカなの。まったくだ。五大神の一人を殺す。いや、殺せるつもりだったなんて。やってみねえと結果はわからんだろうだろ。ザビーだ。答えを最初から持ってて全くブレなしなんだ。意外とすごいやつ。お、ロゼちゃん俺と契約して器になってみる。 調子乗りすぎ。ザビーだ。ありがとう。俺たちの出会いが救う方法を生んだってのがすげえ嬉しくてさ。お前。ったくこのアマちゃん同士め。甘ったるすぎだぜ。こっからが正念場だろ。だな。 Conclusion de plein d'intrigues, chouette, 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 chouette. Sauvegarde quand même, parce que voilà, on sait jamais. Je sais jamais comment ça peut se passer. Je sais pas du tout comment va se former le combat de boss, j'ai peur. Peur dans le sens où en fait, là, si vous voulez tout savoir, à chez moi, il est actuellement 3h15. Je suis un peu fatigué. J'aimerais bien dormir. Voilà. Sauf que le truc, c'est que pour dormir, le jeu. Oui, oui. Parce que je suis débile et que j'ai décidé que je finis le jeu ce soir. Srei-san, anata no uchiro ni wa watashi tachi ga imasu wa. Sore o wasurenai de. Souyu koto rashii wa. Souyu koto rashii ne. Omoikkiri yatchatte. Arigato. みんな、決着をつけよう。すべてに。
行こう。二人ともカムラに入ってから一度もおじいちゃんの話しなかったわね。ねえ、前代様に危害を加えるのは無意味だと彼の者へ示しているのでは。ビビってるように見えたぜ俺はよ。あれじゃ自分らの弱点を認めてるようなもんだ。行こう。 Et c'est parti. Heldar, 決着の時だ. Kurushimi to tomoni ikineba naranu sekai. すべてのものはこれからの解放を望んでいるのは明白。何故それに抗う？どうしよう。確かにお前の目指す世界では苦しみから逃れられるかもしれない。けどやっぱ違うと思う。僕らは苦しみから目を背けたくない。辛いことがあるから楽しいことを実感できるのですわ。だね。 私らは生きてるって感じたいんだ。苦しみに抗うことでのみ得られる安寧、そんなものを世界が享受するはずもあるまい。別に逃げるのが悪いってわけじゃないわ。俺らがそうしねえってだけさ。わしは自然の摂理を語っているのだ。摂理に従うのが生きることだっていうのか。無論のことよ。 違う。それは死んでないだけだ。それがどれだけ苦しいことかお前は知ってるはずだ。最後にもう一度問う。同志スレイ、わしにくだれ。断る。最下の剣士と同志、やはり世の国脈ということか。だがわしは白とは返事ぬ。俺も黒にはならない。 Alors, tu as combien mon petit? Niveau 82 000 points de vie. On est mal barré. Il a fait tellement mal. Abusé. かけろ。集中力が高い。無闇に。無駄は悪いと。無理は。熱から動きましょう。青の四連。マイチ。過信症。青の四連。マイチ。やっぱ一心将来。我が国は当然。青の四連。マイチ。全てを続け。 Il fait extrêmement mal. Ouais, je l'enchaîne. On a fait 7 dégâts, bien ça. Putain, on a fait tout le monde de dégâts. Ça va être. Ça va être mieux. Pourquoi pause? Ah, manette déconnectée, très bien.
Non, mais ravi de vous servir, madame. Alors, attendez. Attendez. Là, on demande des choses compliquées au monsieur. Hein. Je sais pas ce que je voulais que ça fasse. Ça fait un bruit qui s'aurait pas dû. Clé USB, hop là. C'est bon. Bonjour. On a fait perdre son vie. 10 000, on vient de faire les 10 000 points de vie, d'accord. 10 000 sur 50 000, on a fait un cinquième quoi. On ne touche pas. Ouch. Pêche. On a vu les PV qu'il a perdu. Non. Là on s'est mis en force mentale, pourquoi? Parce que si il faut qu'on fasse des dégâts, il a 10 000 points de vie. Je ne suis pas tous sur entière. Par contre, je vais garder un gros œil sur les points de vie de Rose. CS。親だけは捨てられぬか。いかに成長しようと、それが貴様の限界よ。 黒にならぬと言ったな。今お前に湧き出ている感情はどうだ。取り込みやがったのか。スレイ、下がれ。スレイ、ライア、浄化すればジージは助かるんだろう。ライア、ジージ、愛する子を傷つける苦悩伝わるか。 Mais quel connard! Bah en même temps, c'est un méchant de l'histoire. S'il était gentil, ça se saurait quand même. Ah, il a invoqué des trucs. Ah, il a invoqué un truc. Ah, mauvais délire. これを行えば良いではないか。何か企んでると。これ何の気だこれ。ちょっと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 。ちょ
Ouais, non, là, monsieur, tu commences à invoquer un peu trop de trucs pour moi, là. Donc oui, décidé, ça m'arrangerait. Voilà, on va pouvoir enchaîner la dash maintenant. Aïe. J'ai pris grave cher. Allez, prends cher, s'il te plaît, prends cher. Merci. En fait, il a pas fait si cher que ça, il a pas encore la vie de lui pour péter. Allez, 24 000, on a fait la moitié, je suis chouette. Je fais penser à Ganondorf, sauf que le problème avec Ganondorf, c'est qu'il a à chaque fois deux formes. Si ce boss a deux formes, je vais pleurer maintenant. Clairement. Ouais, j'aime pas trop le délire là. TG. Allez, non. Oui, je sais, j'ai des sorts de soins, mais ça fout le heal pas, quoi. Non, par contre, la finale, je crois que c'est ça qui lui fait spawner des trucs. Et on va se calmer, hein. Allez, ça durera pas, mais 13 000, il lui reste 13 000. On a presque fini. Il a autant fait vite qu'un mob classique maintenant. Et nous, on va dire tes enfants, laisse là où il est, un peu comme ça. Ah, sans, on prend le rouge du lion dans la gueule. Voilà. D'accord, j'ai compris. Petite fiole. J'ai un peu chaud aux fesses, j'avoue. Vous savez quoi, j'ai encore plus chaud aux fesses parce que j'ai pas de vie.
Et j'ai pas d'acolyte. Là, on va se balader un petit peu le temps que bah on est soit du flux, soit un séraph qui se ramène. Hop. Ah non, on va se détendre. Hop, vite, du soin. Bonjour, soin. Ah, je suis encore baissé. Ah, il n'y a plus de séraphin, plus de dispo. Oh. Je vais rester un peu loin le temps que David y revienne. David! Salut, bonjour. Non, c'est pas de ça que j'ai besoin, c'est de ça que j'ai besoin. Il reste combien, monsieur? 5000. Si Anna est revenue, on va en profiter pour que elle utilise une fiole de résurrection sur elle. Oh, le laser divin, c'est du mal. Ah merde, c'est une jolie tonne. Oh, je suis tellement content de lui être passé au travers. Combien? 3000. Ah, tellement chaud. On a par contre. Il reste 2000. Putain, je suis tenté de le. Bah, de le tanker. Ah, c'était tentable et j'ai raté. Non, ça va pas être possible. Hein. Si on ressuscite pas à coup d'amortisation, moi ça va pas être possible. Voilà, merci.私を憎んでもいい。今だけは私に任せて。どうせ。きっと何か何か方法がある。自らの家族だけは失いたくない。大した覚悟だ。ふざけんな。おじいちゃんのミューズって人も本当だったら犠牲になる必要なんてない。全部あんたのせいでしょ。そう。自らの愚かな選択をして落ちたわけじゃないのに。 私が何とかする。そう決めたんだから。重視の出る幕ではない。スレイ。これはこれだけは俺がやらなきゃいけない。 ありがとう、ロゼ。本当に。スレイさん。バカ。スレイ。下がってて、みんな。 全ては自由に自らの思う道を生きよう。お前の人生を精一杯。
Vraiment. On galère déjà avec un combat qui dure une demi-heure à cause de 50 000 points de vie. 200 000. Je suis désolé les gens. Mais je vais faire une pause ici. L'épisode va être sinon beaucoup trop long. Donc, je peux le viser un peu partout en plus. Donc, les gens, les 200 000 points de vie, nié quoi. Bon, bah j'espère que cette première partie de combat final vous aura plu, que cette série vous plaît, vous aura plu. C'est la fin au prochain épisode. Comme d'habitude, pouce vers le haut et commentaire si vous avez quelque chose à me dire et si l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description et en fin de vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette fin où on affronte un boss avec 200 000 putains de points de vie. Voilà. Sur ce, les gens, moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Bye.